Allez, salutations tout le monde. Aujourd'hui, je vais mettre une petite branlée à Aiguière de Mérac, histoire de s'échauffer, dirions-nous. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, c'est très très bien. Vas-y, mon garçon, je suis tout ouvert. Je suis humide. Ouais, Ah, ça, pour être ouvert, tu vas être ouvert après. Enfin, tu vas être troué. Ah, bien attention aux parois, hein. Quand tu touches plus les bords, c'est que tu t'es trompé de trou, hein. sûr. Ouais. Cette vidéo sera interdite au moins de 18. Ah, c'est ça, ouais. Je verrai, je verrai. Alors attends, comment je place un truc là? Cette Bon, vidéo est Stumbleter. accompagnée d'un certain Dreadnaos qui est là uniquement pour vous raconter des conneries. Voilà, c'est le commentaire. Merde, commentateur. Commentateur. T'as oublié le correcteur orthographique, y compris sur tes paroles. Pas mal. Les grenades pour rien faire. Je les ai esquivés. Ah, t'es là-bas. Putain, ça canarde! Qui de la faute de la jeunesse ou de la sagesse de la vieillesse aura la victoire? Je comprends pas comment tu fais pour pas. Bénédiction de la Rahman, et j'étais sous Steam. Il y en a une qui m'a blessé. Hop, 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 hop. Nope. Ce sera un big nope. Ah là, bien joué. Aïe, 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 aïe. Bon, j'ai pris ton père, tiens. Oui, j'ai vu ça. Je me suis dit, il m'a battu deux fois avec, c'est tout bêtement. Ou éventuellement que tu sois mauvais, mais ça, j'y crois pas. Ah. Bah, je suis un joueur très moyen, en fait. Ah. Qu'il dit? Non, sérieux, je suis pas si bon que ça, hein, par rapport à. Bah, ça dépend, j'ai un peu de progressé de la. J'avoue que ta technique du pistolet plasma. Oh merde! Ah, j'ai fait n'importe quoi, il y avait le rebord. Ouais, la technique passe-main. Ah putain, j'ai La pas. technique plasma avec DFA, ça c'était extra. Tu pètes Ouais, l'armure j'avoue. avec le plasma, puis après tu l'achèves avec le DFA, tout simplement. Et ça marche aussi avec la charge furieuse, mais la charge furieuse, une balle de bol, ça suffit. Pourquoi tu t'es pas parti en fait? Je m'attendais franchement pas à te voir en fait. Ce que j'aime bien, c'est que tu me cartonnes plus sans le jumelage. Bon? Ouais, le jumelage augmente juste ta précision quand tu en tires à la hanche, hein, c'est tout. Si tu épaules, ça change rien, hein. Sérieux? Moi j'ai pas tout le temps. Ça sert à rien de prendre dans ce cas-là le perk de jumelage. Putain! Mais il a combien de grenades? J'en avais trois grâce à toi. Alors tu disais que quand tu mets Paul, il te sert strictement à rien. Ouais, en fait le jeu Merde! amélioré, il augmente ton tir au jugé et pas ton tir visé. Ton tir visé, en fait, que tu as le perk ou pas, c'est le même. Merde, je tire pas avec la bonne arme. Par contre, t'as un spread beaucoup moins grand quand tu joues avec en tir en jugé, quoi. Ce qui permet de garder la bonne vie. Pas mal, ouais, j'avais complètement zappé pour la ramène en fait. C'est pour ça que j'ai survécu. Mais bon, là, Ouais. t'aurais visé la tête, t'as vu, Ouais, d'ailleurs. non mais j'avais plus de. J'ai oublié de recharger en fait. Ce qui est bien avec le Stormbolter, c'est effectivement sa cadence. Et quand t'as le Steam et la Rahman, donc tu régénères ta vie automatiquement. Mais la cadence du Stormbolter est beaucoup trop rapide pour pouvoir régénérer totalement. Oui.
Non mais ça lui sort. C'est combien les scores là? 5 à 4. Ouais mais je suis pas... Le Stormwalker j'ai... Putain de nom de Dieu! J'ai pas compris là. Franchement je comprends pas pourquoi ma grenade elle te fait rien. Je t'ai tiré, t'étais juste à côté en fait. Alors je sais pas ce qu'il y a en ce moment mais j'ai l'impression que les grenades... C'est pas qu'à moi que ça le fait. J'ai l'impression que les grenades elles font plus autant de dégâts. T'es juste à côté en fait. Bah c'est ça, mais imagine une Mastercraft, t'as un assaut, il s'écrase avec la DFA sur moi. J'ai une grenade Mastercraft qui l'attend, elle explose, l'assaut il a. Comme il a commencé à repartir, bah ça lui fait aucun dégât quasiment. Ouais visiblement quand t'es en mouvement Là, tu vois, esquive, regarde. En mouvement esquive, deuxième. En mouvement jump, tu subis moins de dégâts. Je comprends pas pourquoi. Là je comprends pas aussi. Là je comprends pas pourquoi tu... Alors la deuxième grenade elle était assez loin, par contre la première oui je l'ai prise. Bah je t'ai chargé, je t'ai tiré dessus par exemple. Ah. Je sais pas si on s'est annulé la charge, enfin si on s'est chargé tous les deux il me semble. Mais alors après... C'est moi qui t'ai chargé en premier. Après, t'es rien mort, tu peux venir nous rejoindre. Bon, tu prends un assaut, tu te mets dans un coin et tu nous regardes le temps que ça se passe. Bah, je finissais ma partie de War Thunder. Mais parce que la guerre se passe pas que sur Space Marine. Et moi, j'aime faire la guerre avec des tanks. Ah. En quoi les Russes? Ceux où je suis le plus haut, c'est allemand, russe et français. Les français, les chars. Bien sûr. Même, hein, on avait des bons chars, avec des défauts de conception, mais des bons chars. Je suis vraiment mal. Je crois que c'est là ce que t'as fait, c'était un lead charge. T'aurais dû partir en dash cancel pour pouvoir repartir. Parce que le temps que tu t'arrêtes, j'ai profité de t'arroser. Même avec le steam, t'es resté immobile. Donc ta vie, elle remontait, mais... Non, pas là! Tu vois, t'es pas mort. Ah. La grenade, je suis mort. Ah, la grenade. Non, c'est pas la grenade. Ah, c'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Ah bon? À moins qu'il soit pour rien. J'ai une chance de quoi tu vas. D'ailleurs, va falloir que t'expliques avec madame. Ah, effectivement. Elle est pas longtemps. Chérie, j'ai un problème, j'ai de la chance au jeu. Ça se vous entend qu'il y en a eu d'autres, fais gaffe. Trop loin la grenade, il y a le corner. Non, je l'ai tiré comme ça. Bon, moi par contre, hein, je te préviens, on l'a pas invité à nos soirées. Regarde, qu'est-ce que je fais là? Comment tu fais pour me... Putain, mais j'ai plus de vie! Non, là c'est pas possible. Ah ouais, là parce que... Alors là franchement, j'ai pas compris. Là, j'ai pas compris comment... Parce que comment tu m'as chargé. Oui, oh. Mais tu fais quoi pour me déglinguer autant mes barres d'énergie, je tire pareil. Attends, viens au milieu. Alors, bolt... En mode... Bon, bah si tu veux. On fait le truc, non, juste tu me le... Mais j'arrive, je comprends pas. Oups. Voilà. Oups! Ah, il est resté. Ah, il y a un camion. Ah, c'est pas un camion, c'est le micro-ondes. Ah, il dit. Mais je comprends pas comment tu fais, je suis obligé de fuir. Un mec, il y a un fulgurant. Ah, mais je t'assure que là, en ce moment, la mode est au Stormbolter.
Le Mais on nombre a de lancé gars. la mode. Oui, on a lancé la mode, mais le nombre de gars que je vois qui me tuent avec mon propre loadout, je dis putain, je suis en train de lancer une mode. Et encore mieux que tous ces connards OVL. Parce que moi à l'époque, je jouais un petit peu, tu vois. Alors. Je jouais un petit peu de figurant, tu sais, dans certains cas. Oui. Mais on se foutait de ma gueule d'ailleurs en disant ouais. Oui, parce que c'est l'arme la plus nulle, mais si tu sais bien te la manier, si tu sais bien la manier, si tu sais prof. Tu tires à la tête, c'est tout. Non, tu profites de sa cadence. Regarde, la cadence de tir, si tu loupes aucune balle, tu tires sur quelqu'un qui a Steam, qui a un Steam et qui a la Raman. Donc effectivement, sa vie régénère. Mais si tu continues à tirer, en fait, la vie, elle descend. Elle n'arrive pas à remonter. C'est pas possible. T'étais en train de viser à l'épaule? Ouais. Alors évite maintenant. Tire, tire à la hanche. Ah, pourquoi? Bah, moi je vise plus. Je vise plus du tout avec le Stormbolter. Bah, moi je vise tout le temps. Enfin, j'ai fait le réflexe. Pourquoi tu vises plus? Bah, je vise plus parce que, en fait, avec le jumelage et le tir à la hanche, du coup, je perds pas le temps de viser. Je passe direct à l'attaque. Et en plus, quand t'as un champ large. Si le gars il se déplace, tu prends en compte son déplacement pour anticiper. Bien vu. Tu anticipes son mouvement et comme ça s'il bouge, ben tu le suis. Et tu l'achèves. Parce que moi je vise. Hein. C'est ça. Il faut pas y aller, comment? Faut pas viser quoi. Ouais, faut garder un champ de vision large. D'accord. Très bonne. Ah merde, il est pas là. En fait, il m'a ignoré. J'ai tiré dans son dos pour attirer son attention. Il est là. Je joue comme une bite avec le paladin. Le Storm Paladin. Non, le Storm Bolter. Tu l'as en Terminator à la base. Oui, c'est vrai, au tout début je le savais pas. Bah, je connaissais très peu de choses sur le lore. Et tu connais toujours pas grand chose. Ah, j'en connais plus. J'en connais plus. Certes, mais relativiste quand même. Oui. Bah, faut que je lise tous les bouquins et. Ah, ah, tu es pas mort. T'as pas besoin de lire les bouquins pour connaître le lore. Hein. Bien joué. En plus, une partie des bouquins, le lore n'est même pas accepté dedans. Oui. Tu vas sur. Je t'enverrai des liens si tu veux. Bah, je suis le Lexicanum. Il y en a un autre qui est super. Planet Wargame, c'est pas lui? C'est pas. Ouais, aussi. Il y a Taran aussi. Taran. Ouais, Taran, bien entendu. Taran. Ah, c'est une. Nous sommes mités dans l'univers. Merde. Il y en a un autre aussi. Comment ça s'appelle? Je vous enverrai un lien pour ceux que ça intéresse. C'est Bibliotheca. Le Bibliotheca Rium, je crois. C'est fait par un français, tout en français, super classe. En plus, il a fait des mises à jour avec les primaristes qui servent à rien. Pourquoi tu es pas mort? Bah, après, si tu joues aux figurines, non? Ouch! Écoute, une époque, mon frère m'a pris les figurines, pas mal. Enfin, je les ai gardées. On jouait au tout début dans les années 90 avec les figurines en plomb. Oh, alors, c'était pas en plomb, mais ouais. Je sais, j'en ai. Et il y avait après. Il y avait une arme d'or. Il m'a vu venir. Mais la question à la base, c'était est-ce que tu joues en. Oh, ouf. Non. Non, je joue plus en plein. J'ai quelques figurines à la maison. Non, je joue plus. Non, malheureusement, je joue plus. Est-ce que tu veux y rejouer? Tu habites où? Tu habites loin? Moi, je suis en région parisienne. Ah, il fut un temps où j'habitais dans cette. J'habitais à Saint-Point à l'époque, la province. Et là, je suis à Toulon. Il y a le train. Ah,
Bah, pour jouer, mais tu es malade, ma femme est pas tuée, tu veux me dire t'as une maîtresse. Mais non, c'est moi qui viendrai, c'est fini. Ah, bah, tu veux me dire. C'est pas une maîtresse, c'est un maître. Ah, putain, c'est encore pire. Est-ce que tu as connu? Non, t'as pas connu, t'es trop jeune peut-être. Le FSO, le France Sud-Open, la plus grande organisation de jeux de rôle d'Europe, dans les années 90. Bah, dans les années 90, tu vois, en fait, j'avais une dizaine d'années, donc bon. Ouch! Je t'ai mis à combien? 23%? Moi, je viens de la Bourgogne, alors le Sud, c'est pas vraiment ma région. Hein. Qu'est-ce que tu penses des Primaris? C'est de la merde! Ah, tiens, un bon. Si tu fais un tour sur le Discord et que tu regardes sur la case Tabletop, que j'ai fait implanter, tu verras avec quel type de figurine je joue. Ah, t'as pas loupé! Ouais. Bah, c'est grâce à ta technique, Hydra. Je ne vise plus. Tabletop, c'est quoi? Alors, moi, l'anglais, ça fait 6. Hein. Ça veut dire jeu de plateau. Ouais. Tabletop, c'est ça? Ouais. 44 de Tabletop. Il faut pas le regarder pendant que t'es en train de te battre. Non, non, du tout. Faire... Ok Google, recherche internet s'il te plaît. Et bam! Merde, je tire des grenades. Quel con, j'ai cru que j'avais un skin, c'est pour ça. Alors là, j'ai fait n'importe quoi. Cette victoire, elle t'a été donnée. Hein. J'ai fait n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai jeté la grenade à côté. Je me suis barré. Alors là, c'est nul, ce que j'ai fait. Ouh, j'aurais dû continuer à tirer en fait. C'est le Steam qui a fait autant de dégâts, je croyais qu'au bout d'un moment ça se faisait plus effet. Bah, je sais pas. J'ai fait n'importe quoi. Là, je dois dire, les victoires, là, je t'en ai donné deux gratos ces dernières là. Oh, pardon. Je sais pas qui tire, mais. Reviens ici tout de suite. Évidemment. Je m'attendais pas. C'est pas mal, hein. Non mais maintenant je kiffe le Storm Bolter. Non mais c'est une arme excellente. Mais... Alors donc les Primaris c'est de la merde, j'ai toujours kiffé. Bah, si tu parles en termes de caractéristiques pures dans le jeu, forcément, elles sont plutôt, c'est plutôt balèze, hein. Faut pas se leurrer, hein. Oui, mais au niveau du fleuve, je sais pas comment les autres vont accepter les Primaris. Si tu regardes à quel point les Black Templars, c'est des fous furieux. Bah, si, justement, d'ailleurs, il y a des Primaris chez les Black Templars. En fait, les Black Templars, ils ont refusé la première série de Primaris, mais pas les suivantes. Parce qu'en fait, les suivantes, elles étaient directement implantées avec les informations des chapitres dans lesquels ils allaient se trouver. C'était pas des genres les Black Templars c'est les descendants des qui déjà Imperial Fist, ouais, c'est ça. Voilà, en gros, en fait, les premiers Primaris Imperial Fist, ils les refusaient, même si tu vois ils étaient remis aux couleurs des Black Templars. Et par contre, ils ont fait l'inverse, ceux qui étaient directement intégré avec tout ce qu'il fallait pour être Black Templar, il donnait Black Templar, c'est tout. Et alors j'ai vu ça dans un commentaire, faut voir si c'est vrai. En gros, c'était avec les Blood Angels. Ou en gros, les Primaris, ils ont dit... Je sais pas comment t'as fait pour le lire, je t'ai pas vu en fait. Bah j'étais dans le coin et j'ai dit putain si je bouge maintenant je suis mort. Bon bah y a plus qu'à l'attendre. Et en gros donc les Blood Angels ils ont eu leur Primaris et le Primaris il a fait de toute façon nous on est meilleur que vous. Et le maître de chapitre il a fait attends viens là toi. Ah non c'est pas les Blood Angels c'est les comment on appelle ça ceux qui ont un canis là je sais plus comment ils appellent ça là. Les Space Wolf
Non. Ah, le Calice, oui. Bah, c'est les Blood Angels. Le Calice, c'est Blood Angels, hein. Oui, non, mais c'est les. Ah, il a mort. Non, d'ailleurs, leur compagnie est en train de mourir à petit feu, là. Plusieurs compagnies comme ça. Non, eux, c'est encore pire parce qu'ils sont pris par la rage noire, en fait. Ah, bah, c'est la compagnie de la mort. Non, c'est une compagnie complètement tarbée du cerveau. Oui, la compagnie de la mort. La compagnie de la mort, en fait, c'est les. Non, c'est pas la compagnie de la mort. C'est les. Oh, Udra, t'as eu de la chance, mon pote. Hein. Ah oui, parce c'est que. La compagnie de la mort, c'est les Blood Drinkers, en fait. Les Blood Drinkers. Le nom de cette espèce marine. En fait. D'ailleurs, c'est un autre chapitre, ça. Oui, c'est un chapitre. C'est un chapitre d'espèce. Des. Comment on appelle ça? Des. Ouais, c'est des. Oui, c'est le chapitre de la seconde fondation qu'on a fait de sortie des Blood Angels. Oh putain! Oh là! Putain, je t'ai disputé celui-là. C'est les Soul Drinkers, voilà. Ah, les Soul Drinkers, oui. Ouais, c'est en fait, leur compagnie commence à mourir parce qu'ils sombrent tous dans la rage folle. La soif rouge ou la rage noire. La rage noire. Ouais, et en fait, quand tu as un Primaris qui débarque chez eux et l'autre qui dit ouais, je suis un Primaris, ouais, je représente. Et il se bat contre le capitaine des chapitres, le maître des chapitres, et il lui fout une branlée, sauf que je pense que l'autre, enfin, après, c'est du fluff. L'autre Space Marine, s'il a voulu dire, c'est pas grand chose. Ah, j'ai mal joué là. Je joue assez mal hein, avec les fulgurants quand même. Je pense que c'est le tactique. Là, les erreurs que je vois, enfin Androval il pourra peut-être confirmer en regardant la vidéo, c'est pas des erreurs par rapport au fulgurant, par rapport à l'arme, c'est vraiment par rapport aux tactiques. Par exemple, là il t'aurait dit, t'aurais dû faire deux charges, tu sais, un dash cancel, et refaire une charge derrière, ça m'aurait calmé. Mais bon, après t'avais la lame dentelée aussi. Non, mais j'ai. Y a, comment ça s'appelle? Aïe. Oh, il y a eu un lag pour dire attention. Non, là j'ai très mal joué. Bon, après c'est pas mal quand même, 20-14 pour un... Oui, non, franchement, t'es bon.